Rebonjour à tous. Alors on va se retrouver pour cette nouvel épisode. Comme j'avais dit précédemment, je vais vous faire voir comment j'ai ma façon de miner. Me débarrasser des trucs que j'ai plus besoin. Ah, non, ça je garde, j'ai récolté pas mal. Bon, ça je mets de côté, ça est supprimé, pas besoin. Le charbon, on va mettre là. Donc, c'est assez simple. On va faire un petit trou par là. Le but, c'est de creuser assez profondément. Mais c'est un peu le son, la musique. Ouais, remonter. Oh, c'est un peu simpliste et mais ça reste la meilleure solution pour miner à mon goût. En général, je mine comme ça jusqu'à temps que j'aperçois un obstacle ou un trou, une cavité ou un truc comme ça. Ah, vous voyez là une petite torche et du coup bah non avec mes plateformes je regarde à peu près jusqu'à où je saute, vous voyez je peux sauter jusqu'à là, je garde ma souris qui bouge pas, je remonte comme ça. Et je remets ici. Et voilà, et puis en descendant, bah, je remets des torches. Ça me permet de voir s'il y a des minerais autour. Là, en l'occurrence, il n'y a rien. Comme j'ai pas envie d'avoir de l'eau dans le petit tunnel que je creuse, le puits, je vais me décaler un petit peu. En même temps, j'ai découvert du fer, c'est cool ça, parce qu'il m'en faut. Et c'est reparti, on redescend. On met une torche, bon, y a rien là. Hop, il rebelote. Vous voyez là, je viens de voir un petit minerai. Je vais avant. Du copper, bah ça, on va en avoir besoin. Je le récupère. Ah, c'est bon, je peux l'avoir directement ici. Ça c'est du silver, on va le récupérer.
Vous voyez, le niveau de l'eau, bah, il descend. Open silver ici. Mais bon. Alors, je vais peut-être me mettre plus par là, je pense. J'ai pas regardé ici. Voilà, d'être gentil. Je trouve que les musiques dans le jeu sont assez sympas. Ne vous inquiétez pas, je vais remonter. Je crois qu'il est un peu bugué au début. Je sais pas si je vais sauter, ouais, nickel. Ah, j'ai plus de torches, bon, on va en refaire. Je récupère ça encore. Je sais pas si j'ai assez de fer. 6, il en faut 2, je crois. Ouais. On en fait 7. Peut-être le fer. Mais j'ai quand même envie d'aller voir encore un petit peu si je peux en avoir plus. Ça me permettra peut-être de me faire de l'équipement, une armure. Bon, en général, je creuse d'affilée, quoi. Je sais pas, des zigzags comme ça. Bon, je conseille d'aussitôt de mettre les escaliers pour remonter, parce que une mort est vite survenue. Et si vous mourrez, bah, en fait, vous allez réapparaître dans votre vaisseau. Et pour redescendre en bas, ça risque d'être un peu la galère, parce que si vous n'avez pas mis des marches avant. Ah, y a pas mal de fer là, ça va être bon ça. Comme ça, je vais pouvoir remonter dans le vaisseau. Il y en a pas mal, c'est cool ça. Alors, il y a un petit truc que j'aime bien faire de temps en temps, c'est ça. Hop. Vous voyez le truc? Ça peut être assez sympa. Ouais.
pas remonter. Faire un shop pour moi, pour accélérer le truc, pas besoin. J'ai dû utiliser des trucs pour. Donc, alors, pour faire une iron. Ils en font 8. Je devrais en avoir assez. Ouais, pas mal. On va juste en faire 8. Et maintenant, on peut la craft. Alors, celle-ci va vous permettre de faire des armes et des armures. Alors là, il faut trouver 20 cordes fragments. Alors ça se trouve assez profond dans la terre. Alors, comme on a fait le tunnel, bah du coup, on va... Ah, c'est cool, je peux passer dessus. Bah, où? Justement, c'est pour faire les récoltes. Je crois que ouais, c'est cool, je peux me faire une armure déjà pour commencer. Alors, 2, 2, 3, 5. Alors, 10. Et voyons voir, moi j'aime bien ces armes-là. Alors, il y a des pioches. Alors, dans la précédente version, on pouvait les utiliser. Enfin, il était même conseillé de les prendre parce que le matière. Mateur manipulateur était assez long, il vous servait essentiellement pour poser les blocs, casser des petits objets. Mais il était conseillé d'avoir une pioche en fer, en silver, en gold, enfin, à peu près comme dans Minecraft, jusqu'au diamant. Pour miner. Mais maintenant, les développeurs préfèrent que le mateur manipulateur soit l'objet de base du jeu qui vous sert à faire les crafts, à déposer, enfin les crafts, à poser des blocs, casser quelques blocs et miner, puisque au début il servait pas à grand chose à part par exemple pour poser des torches ou des objets. Vous voyez, vous avez le design dans la main, mais sinon il servait vraiment à rien. Et puis en plus de ça, il vous prenait une place dans votre inventaire rapide. Enfin, même moi, je le mettais pas. Mais il servait pas à grand chose. Alors du coup, maintenant, les pioches... Avant, les pioches, on pouvait les réparer. Mais maintenant, on peut plus les réparer. Et puis, ils s'usent super rapidement. Mais ils sont super efficaces. Ils sont encore plus efficaces qu'avant. Ils minent très, très rapidement. Mais au final, ils restent assez... C'est vraiment pour les gens qui sont riches et... Enfin, pour casser des blocs que vous avez envie. Par exemple, vous trouvez un endroit, une base, un donjon qui vous intéresse et vous voulez occuper les blocs, bah ça peut être intéressant d'avoir la pioche. Bon, alors, trêve de bavardage. On va faire nos 5, enfin nos 10 iron pour faire notre armure. Et je voulais voir aussi pour. Alors, craft. Et craft. Et je voulais voir pour une arme. Alors moi j'ai une préférence, c'est pour les marteaux. Et ça fait des dégâts assez gros. DPS assez faible. Enfin, assez faible. Ouais, pas mal quand même le DPS. Mais c'est une arme assez lente. Plus le chiffre est haut, plus la rapidité. Vous voyez. Par contre, vous voyez les dégâts. Alors moi je vais me faire le petit marteau. Parce que moi c'est plus ça qui m'intéresse, il en faut 8. Parce que j'en ai 8. Largement. Voilà. En même temps, je vais m'équiper de ça. Oui, hop. Il manque une partie, elle est là.
Bon, moi je veux le design parce que j'aime bien cette tenue-là, le casque. Ouais, bah, je crois. Bon, je suis obligé de le mettre là. Alors, le charbon, ici, cette arme-là, bah, du coup, elle me sert plus à rien. Je la supprime. Salaud, c'est bon, ça c'est bloc-là. Faut un peu. Yes. Donc alors, on va retourner par là. Ben non, c'est vrai que j'ai fait. On va plutôt avancer dans les quêtes. Regardez. Alors là, il nous demande. Ah oui, voilà. Ouais, ça, il faut aller tout en bas. Ah bah ben non, ouais, de toute façon, il n'y a plus le choix. Notre place. Ouais, là il veut que je répare, mais pour ça, pour réparer, il va me falloir des corps fragments. Rien à voir avec les 20 corps fragments. Bon, bah aussi finalement. Enfin, ouais, enfin c'est la même quête. Oui, la quête. Le tutoriel me demande de réparer le vaisseau au final. Alors là, des barres raffinées. Ah, du copper, c'est pour améliorer le matter fabricateur. Ah, j'en ai que 9, dommage. On va aller chercher ça vite fait. Parce qu'il y en avait que j'ai pas ramassé. Et puis on va améliorer le matter manipulateur. Alors je vous conseille de faire une fois flèche du bas et une fois espace. Sinon ça fait ça, puis vous pouvez vous faire mal. Bon là ça va. Bon là je lui tourne un coup, c'est pas mal. Alors, le truc que j'ai cassé, je voulais vous faire voir, mais du coup, j'ai pas pu. C'est un nouveau truc depuis la mise à jour. C'est des blocs de minerai. Et quand vous les cassez, bah. Je pensais qu'on les minait, mais au final, non. Mais ça vous donne un peu plus de minerai. Et puis, il y a plusieurs tailles différentes. Si je... Non. Il y a plein de fer ici. On va le prendre quand même. C'est vraiment addictif, le minage. Vous voyez tout ça, vous avez envie de récupérer. Profiter pour se régénérer. Alors, voilà du copper. Il y en a plein, c'est cool. Bon, le mieux, ça reste quand même les bandages, parce que, vous voyez, c'est pour ça que je récupère pas mal de lianes. Après, je sais qu'on peut faire des recettes, du pain, des cakes. Alors, peut-être, il y a des objets. Ah, si, il y a les hamburgers qui redonnent
Il manque toute la santé. Et la faim. Enfin, la faim, non. Ça, c'était dans l'ancienne version d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont retiré, c'est vraiment dommage. Qu'avant, on avait une barre de faim. Maintenant, on l'a plus. Je trouve ça quand même dommage. Ça donnait le petit côté RP. On peut plus s'arrêter quand on voit. C'est... Bah, de toute façon, là, la vidéo, je vais l'arrêter parce que on a dépassé le temps que je me donne, c'est-à-dire 20 minutes. Alors, on va se retrouver sur la prochaine vidéo et puis moi, en attendant, je vais continuer un petit peu à miner. Allez, ciao! Au revoir!